Il faut que je trouve une sortie. L'échelle est morte. C'est pas comme si j'avais pu grimper de toute façon. Des mines qui s'entremêlent, comme disait Jed. Je vais décider de ne pas prendre ça pour une prémonition. J'en rirais bien, mais ça me ferait un mal de chien. Depuis combien de temps c'est là, tout ça? C'est une piste. Cette aura est ma seule et unique piste. Allez les gars, on y est presque. Mineur maudit pour la vie, pas vrai, Jed? On creuse tellement profond qu'on voit les enfers. Vrai de vrai. C'est ça. C'est ça que Typhon essaye d'enterrer. Il y a beaucoup d'infiltration d'eau. Jed, faut qu'on sorte. Ce puits est foutu. Il est pas foutu.
Jed, on n'a pas de pompe qui tourne. Pas de... Mes équipes n'ont jamais abandonné un puits aussi profond. On finit le boulot. Doucement... Doucement... Putain, c'était quoi? Bougez-vous! Allez, quittez le tunnel! Qui on a à la radio? Jed! Merde! Jed! Jed! Il faut qu'on tire! Tout de suite! Il reste des hommes en bas! Ils vont se noyer! Ouais! Et nous aussi, si on se mine pas le cul! À toi de décider, Jed! Nom de Dieu! Nom de Dieu! Allez, tout le monde! On sort! Tout de suite! Ça sent comme un feu d'artifice. Ça doit être l'endroit où Typhon a fait sauter les charges. Espèce de connard! Jen, arrête, mec. Jen! Putain de merde, Jen! Reviens! Laisse tomber, Jen. Il reviendra pas. Je suis désolé. Je m'en veux tellement. Et depuis que je suis arrivée, j'ai eu la chance de comprendre ce qui faisait la particularité de Haven. C'est un magasin de fleurs géré par plusieurs générations. Un propriétaire de bar qui connaît le nom de chacun de ses clients. C'est le Festival du Printemps, une tradition centenaire. L'histoire, la loyauté, la fierté, toutes ces valeurs qui définissent Haven sont les mêmes valeurs qui ont permis de bâtir Typhon. Et c'est pourquoi notre partenariat a rencontré un tel succès. J'ai eu le privilège de renouveler l'engagement de Typhon envers Haven. Nous croyons sincèrement en cette communauté, et nous sommes extrêmement enthousiastes pour son avenir. Merci, Diane. Je pense que je parle pour nous tous lorsque je dis que nous avons hâte d'officialiser tout ça. C'est l'heure de voter, mes amis. Et ensuite, on déjeune.
Alex ! Oh mon Dieu ! Je vais bien. Non, tu vas pas bien. Il faut qu'on t'emmène voir un docteur. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? J'ai découvert quelque chose qu'il faut que tu saches. Je suis vraiment désolée. Quoi ? Alex, t'es blessé ? Tu as besoin d'aide ? On peut t'appeler une ambulance ? Typhon vous a tous menti ! Et Jed Lucan aussi. Alex, qu'est-ce qui se passe ? T'es parfaitement au courant de ce qui se passe. Je suis allée dans la mine hier soir. J'ai vu ce que Typhon cache depuis 12 ans. Jed Lucan n'est pas un héros. Cette histoire est un tissu de mensonges. Jed a provoqué l'accident. Ensuite, il a abandonné 7 de ses hommes. Il les a laissés se noyer pour sauver sa peau. J'ai trouvé des photos de Gabe et moi là-bas, par terre. Parce que l'un de ces mineurs était mon père. Typhon a voulu dissimuler ça. Au cas où ça risquerait d'affecter le vote. Tout ce qui les intéresse, c'est de faire du fric. Ils feront n'importe quoi pour faire passer le projet d'expansion. Alors ils ont décidé d'enterrer l'épreuve. Et rien n'allait empêcher cette détonation. Pas même le fait qu'il y avait 4 personnes dans la montagne à ce moment-là. C'est comme ça que Gabe s'est fait tuer. Jed était au courant depuis le début. Il a caché la vérité sur ce qui s'était passé à l'époque et sur Gabe. Et quand je l'ai découvert, comme vous pouvez le voir, il a voulu me tuer moi aussi. Pourquoi est-ce que personne ne dit rien ? On ne veut pas te mettre dans l'embarras, Alex. Essaie pour voir. Ces accusations sont… Enfin, c'est dément. Et essayer de t'introduire dans la mine était bien évidemment très dangereux et vraiment très illégal. Mais nous compatissons tous à ta situation. Tu as beaucoup souffert. Ton frère était ta seule famille, n'est-ce pas ? Je ne peux qu'imaginer à quel point tu veux expliquer son décès. Quelque chose qui t'apporterait du réconfort et qui rendrait ta vie moins injuste. Pourquoi tu dis pas simplement la vérité ? Ça fait un moment que tu prépares ton départ de Typhon. Quoi ? C'était pas dans ton contrat, les menaces et les tentatives de meurtre. Tu détestes tout ça. Là, tu as l'occasion d'arrêter. Papa ? Est-ce que tu as la moindre idée de ce dont Alex est en train de nous parler ? Non. Pas du tout. J'ai essayé d'être présent pour Alex depuis que Gabe est mort. J'ai cru… je sais pas… J'espérais que je pourrais être une sorte de père pour elle. Et je pense que… parfois, quand on souffre, on finit par s'en prendre à ceux… qui essaient de nous aider. Tu as essayé de me tuer ? Comment tu peux rester là à dire des choses pareilles ? Alex ? Tu es un monstre ! S'il vous plaît. Je sais que c'est difficile à accepter. Vous lui faites tous confiance. Moi aussi, avant. Mais ce que je vous dis est vrai. Alex, moi, je te crois. Évidemment que je te crois.
J'aimerais parler. Je connais Jed depuis très très longtemps. Et Mademoiselle Chen, Alex, je me rends compte que je ne te connais pas aussi bien que je le croyais. Il faut, bien sûr, tenir compte de vos blessures et de la confusion qui en résulte. Malgré tout, ça m'attriste de t'entendre lancer ces horribles et impensables accusations à l'encontre de mon ami. J'ai toujours pensé qu'Alex était une personne vraiment digne de confiance. Elle ne lancerait pas de telles accusations à la légère. Il a dû se passer quelque chose. Madame Lett, il n'y a pas la moindre preuve de quoi que ce soit. Peut-être. Mais c'est ce que je pense. Charlotte. Non. Laisse-moi tranquille. Je veux plus en entendre parler. Ils ont tué Gabe? Qu'est-ce que t'essaies de faire? Faire tomber Typhon? Ça le ramènera pas. Tout ce que je sais, c'est que tout fout le camp quand tu t'en mêles. Y a un truc qui tourne pas rond chez toi, Alex. Et maintenant, chez moi aussi. Je peux pas t'aider. Pardon. T'inquiète, Alex. Je m'en charge. Oh putain, c'est pas vrai. J'ai une clé USB pleine d'enregistrements. Oui, on en a déjà parlé hier. Tes supérieurs ont clos l'enquête. Personne n'a le temps de courir après des complots. Ouais. T'essaies encore de te défiler, hein? Je vois Claire dans ton jeu. Je vois ce que... Ne me provoque pas, Jason. J'ai plus peur de toi. Ni de toi, ni de Typhon, ni assez, de... Assez, ça suffit. Pike, est-ce que tu as un problème personnel avec moi? Un peu, ouais. Jason. Très bien. Étant donné que ton jugement en la matière est influencé par tes émotions, tu devrais peut-être songer à te récuser. Oh, arrête avec tes conneries si tu crois que tu peux me faire peur, Jason, avec... Je pense que tu devrais te calmer. Je suis très inquiète qu'un membre votant de ce conseil ait ouvertement admis un parti pris personnel. Tu me crois? Hein? Ça tourne à la farce. Nous mettons tous la charrue avant les bœufs. Ryan? Qu'est-ce qui prime là? Je suis... Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je ne suis pas responsable de la situation engendrée par ta carrière. Je connais la différence. Mon père n'est pas un assassin. T'avais peur qu'on n'arrive pas à atteindre Typhon? C'est pour ça qu'il te faut un autre responsable? Je croyais qu'on était du même côté. Pour Gabe. Et pour moi. Je croyais que tu tenais à moi. Ryan? Non. Je vais plus te laisser me manipuler. Ryan, c'est pas bien? Je sais que c'est ton père, mais... Regarde-la! Pourquoi elle mentirait? Ça va beaucoup trop loin. Alex a failli mourir. C'est pas vrai. Va chier, Ryan! Après tout ce qu'on a vécu, va te faire foutre, sérieusement! Arrêtez. Je sais pourquoi t'as essayé de me tuer. C'est pas le mensonge que tu t'es raconté. Que tu pensais que ça valait mieux pour Haven. T'en as jamais rien eu à foutre de Haven, en fait. C'était pour ton propre bien.
Je sais, ce serait plus facile de pas avoir à penser aux hommes que t'as enterrés. Tu veux détourner les yeux et faire comme si les gens que t'as tués n'existaient pas. Mais je te laisserai pas faire. Mon père a travaillé pour toi. Il s'appelait John. Personne n'en avait rien à branler de lui. Il se battait tous les jours pour survivre. Mais il espérait quand même qu'un jour ça irait mieux. Mais tu l'as tué. Et Gabe, mon grand frère. Et puis, quand on était petit, on faisait les idiots pour s'évader. Pour faire un peu comme si tout allait bien le temps d'un instant. Quand je suis arrivée à Haven, la première chose qu'on a faite, ça a été de se mettre à danser comme des fous. Mais on cherchait pas à s'évader de quoi que ce soit. Pour la première fois de sa vie, il était heureux. Mais il est mort. À cause de toi. Et puis, il y a moi. Tout ce que j'ai voulu faire pendant si longtemps, c'était survivre. Et aller de l'avant. Haven m'a transformée. J'ai commencé à penser à l'avenir. Maintenant, je veux aider les gens. Parce que... je suis douée pour ça. Et savoir que je suis douée pour quelque chose, c'est tellement agréable. Et puis t'as essayé de m'assassiner. T'aurais pris ma vie pour ne pas avoir à assumer la vérité. T'as oublié? Pas vrai? T'as recouvert la vérité d'une histoire différente. Tu te dis à toi-même que t'es un héros. Un véritable leader. Parfois, ça signifie faire des choix difficiles. Des choix qui provoquent la mort d'autres personnes. Peu d'hommes pourraient supporter ça. Haven a de la chance de t'avoir. Mais ça, c'est un mensonge. Si on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on trouve? Il y a 11 ans de cela, tu as mené un groupe d'hommes à leur mort. Et tu n'arrivais même pas à le dire à voix haute. Parce que tu es un lâche. Tu ne te voyais pas l'avouer à ta femme. Le dire devant ton fils. Tu avais suffisamment de courage pour braver la mort sous terre chaque jour. Mais tu n'arrivais pas à trouver au fond de toi le courage d'avouer ton erreur. Je vois bien que t'essaies de t'en distancer. Arrête. La vérité est cruelle. Parfois, elle est tellement terrible qu'on a l'impression qu'on va craquer. Mais quand on traverse ça, et qu'on en ressort entier, libre et encore en vie, là, on sait enfin à quel point on peut être fort.
Je vois la vérité, la tienne. Tu te hais toi-même. Tu hais ce que tu as fait à l'époque. Tu hais ce que tu as fait depuis pour garder le secret. Et plus tu nies cette haine, plus elle grandit. Je sais qui tu es. J'ai vu les côtés les plus sombres de ton âme. Et je te dénonce. Impliquant Typhon Mining, qui a secoué Haven Spring, une petite ville de la pente ouest où une réunion du conseil municipal s'est soldée par d'incroyables révélations. Jed Lucan, propriétaire du bar local et président du conseil, a avoué au cours d'une confession déchirante avoir dissimulé la mort de 7 employés de Typhon sous sa responsabilité il y a 12 ans. Une autre tentative de dissimulation, reposant sur une explosion clandestine et non autorisée pour gêner les inspections, a provoqué le mois dernier le décès de Gabe Chen, un résident local. Monsieur Lucan est actuellement en garde à vue en attendant sa comparution. Nous vous en disons davantage sur cette histoire en cours, y compris sur la démission du PDG de Typhon, l'impact qu'elle aura sur le marché, et ce que cela signifie pour votre temps de... Non, le silence est encore pire. J'ai besoin de prendre l'air. Après un effort suprême de force et de volonté, je suis enfin prête à aller de mon lit au toit. Ai-je besoin d'un portrait de Charlotte Harmon? Je pense que j'ai besoin d'un portrait de Charlotte Harmon. Je vous en mettrai, moi, du soutien indéfectible.
De qui sait pas quoi dire. C'est génial. J'adore cette guitare, mais si elle me repose encore une énigme, je la balance par la fenêtre. J'ai plus parlé à Ryan depuis le vote. Qu'est-ce que je pourrais bien avoir à lui dire? Ça doit être rare qu'une feuille de chou locale ait l'exclusivité d'un scoop pareil. Voilà. C'est pour ça que je ne lis que les pages sur l'art. J'ai l'impression d'avoir vécu tant de choses avec Eleanor. Ça m'a... Il a jamais réussi à s'en débarrasser. Vous avez déjà manié une pioche, monsieur... Chen. John. Mais non. Mais je... Je suis un bosseur. Et j'apprends vite. Et les horaires à rallonge ne me dérangent pas. Il n'y avait personne qui vous attend à la maison? Non, monsieur. Très bien, John. Vous voilà mineur maudit. Toujours à veiller sur moi, hein, Pike? Je comprendrai jamais vraiment ce qui m'est arrivé au fond du puits, mais je serai toujours reconnaissante. Et toutes les souffrances que j'ai causées. Je ne cherche aucun pardon. La seule personne qui aurait pu me le donner n'est plus là. Merci. Nulle victoire n'émerge de tout ceci. Juste des vérités douloureuses. Ils disent que j'ai carburé à l'adrénaline ce matin. Maintenant, c'est surtout l'ibuprofène XXL qui me permet de tenir. Mon père a peut-être mérité tout ce qui lui est arrivé, mais je suis quand même heureuse qu'on ait été avec lui à sa dernière heure. Peut-être bien que je mérite d'obtenir justice en espèces, mais... Je préfère largement continuer à aller de l'avant.
Je suis désolé. Je sais. Ce que tu as dit, la vérité sur mon père, je pouvais pas l'accepter. J'étais peut-être pas assez fort. Est-ce que tu peux me pardonner? C'est déjà fait. T'as dû faire face à quelque chose d'horrible. Et l'espace d'un instant, tu t'es défilé. J'aurais dû le savoir. Peut-être qu'au fond, je le savais, mais je l'acceptais pas. Maintenant, tout le monde le sait. Et même si c'est vraiment horrible, on n'a pas à affronter ça tout seul. On est ensemble. Alors, qu'est-ce que l'avenir réserve à Alex Chen? En fait, je te demande parce que je veux être avec toi, que ce soit ici ou ailleurs. Si tu veux de moi, je serai là. Est-ce que tu quitterais vraiment Evan? Ouais. Qu'est-ce qui me retient ici, de toute façon? À part toi, si tu restes. J'ai pas l'habitude de prendre les décisions que je veux. Je serais mieux d'y réfléchir. Sûrement. Tu sais où me trouver. Allez, tu peux me le dire. Quoi? Mon avenir. Ce que je dois faire. Le soir du festival, Ryan a sorti le grand jeu pour me convaincre de rester à Haven. L'idée de m'installer véritablement dans cette ville, c'était agréable. Évidemment, c'était avant que tout parte en vrille. Allez, monsieur, je sais tout. Dis-moi. En fait, je sais ce que tu dois faire. Tu devrais rester à Haven. Tu crois vraiment? Bien sûr. T'as enfin une maison, un travail, des gens qui tiennent vraiment à toi. Pourquoi abandonner tout ça? Ouais, t'as raison. Ceci dit, partir serait peut-être mieux. Quoi? Tu es jeune, tu te retrouves avec un peu d'argent, des amis. Tu crois pas qu'il est temps d'essayer la musique pour de bon? Non, tu devrais partir. Oh, t'es sérieux? Arrête, Gabe. J'ai pas besoin d'entendre tes mystérieuses conneries spirituelles. J'ai juste besoin de mon grand frère. Je suis désolé. Je sais.
Mais tiens, prends ça. C'est ce qui arrive dans 3 heures. Un bus quitte l'arrêt. Tu n'es pas dedans. Ryan est content. La vie continue. Tu reprends le travail. Tu t'habitues à ta routine. Un jour, quasiment sans crier gare, Steph décide de quitter la ville. Ça fait mal. Mais elle t'offre un cadeau avant de partir. Son job. Tu l'acceptes. Toutes ces années de snobisme musical finissent enfin par payer. Et petit à petit, le temps fait son œuvre. L'appartement ressemble de moins en moins à un musée. C'est devenu ton chez-toi. Jed, Typhon, même moi, on commence à passer en arrière-plan. Toi et ta nouvelle scène. Tu joues chaque semaine pour un groupe de fans qui t'adore. Peut-être qu'en jouant, tu penses à ce que ta vie aurait pu être. T'aurais pu jouer devant un plus grand public, dans plus de villes, partager ta musique avec le monde entier. Mais peut-être que tu n'y penses presque jamais. Tu sais pas vraiment quand c'est arrivé. Mais un jour, tu regardes autour de toi et tu t'aperçois que t'as transformé cette ville tout autant qu'elle t'a transformé. Et le plus extraordinaire dans tout ça, c'est que c'est devenu naturel pour toi. Tu le remets pas en question. Tu ne doutes pas. Tu ne te demandes pas ce que ta vie aurait pu être. C'est ta vie. Celle pour laquelle tu t'es tellement battu. Et pour la première fois depuis très longtemps, tu vis tout simplement. Merci. Ah non, c'est rien. Tu crois vraiment que je vais transformer Evan ? Évidemment. T'as déjà commencé.
grâce à ton don, à ta musique, en étant toi. Mais Alex, ça veut pas dire que tu doives rester. T'as le potentiel pour faire ça n'importe où. Où je suis censée aller? J'ai pas d'autre maison. Ça, c'est vrai. Mais t'avais pas de maison avant de venir ici non plus. Et regarde ce qui s'est passé. La vérité, c'est qu'il est impossible de savoir de quoi ton avenir sera fait. Tout ce qu'il te promet, c'est l'aventure. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Je sais ce que je veux.